Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Ouvrez la porte.
Guilolo, 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 Guilolo. Voilà le président de la République, avec le parti de Jaminé. Voilà, Monsieur le Président, Président Martin Fayoulou, qui est arrivé. Et la première dame qui est avec nous. Voilà. Président, il est là. Le président est là. Le président est là. Le président est là. Acclamez, acclamez, chers frères. Chers frères et sœurs. Voilà. Voilà, la soirée va commencer. La soirée va commencer. Nous allons installer le président. Acclamez s'il vous plaît, acclamez s'il vous plaît. Acclamez le président s'il vous plaît. Ouais. Ma Didi, président Martin Fayoulou, numéro 4. Avant de commencer, nous allons quand même garder une minute de silence pour tous les corps, tous nos frères et sœurs qui tombent sous les balles de l'ennemi. Merci beaucoup. Je vous remercie de vous asseoir. On va chanter l'hymne national et on va passer au programme de la soirée. Debout congolais, unis par le sang, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes enfants, longtemps coubés, et pour des mots, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple allant. Notre solidarité, fièrement saluer l'ampleur d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, peuple en consommé. Assurerons ta grandeur en tes joies au boursonnet, en tes joies du 30 juin. Jour sacré, soigne-toi-moi, jour sacré, délivre-moi, serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours. S'il vous plaît, prenez place. Avant de commencer, je demanderai au pasteur Bruno de pouvoir nous introduire dans une prière. Pasteur Bruno. Notre Dieu et notre Père, qui est aux cieux, nous t'invoquons ce soir et dans les cadres de cette réflexion où nous sommes conviés, Seigneur, à entendre
à comprendre les enjeux de notre nation, cette nation qui nous est chère, notre patrie, le Congo. Remplis ton serviteur, celui que tu as choisi, selon ta destinée prophétique du Saint-Esprit, d'esprit d'intelligence, d'esprit de sagesse, afin qu'il nous parle et qu'il nous révèle des choses que nous ignorons, mais essentielles, importantes pour l'avenir de notre nation. Réveille l'esprit de chaque Congolais là où il se trouve, afin que ce message ne reste pas dans ces quatre lignes, mais atteigne tout notre peuple, afin de réveiller sa conscience et se mettre chacun à son niveau au service de notre nation. Bénis toutes choses, l'eau, la nourriture et nous qui allons en prendre. Ainsi nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire de notre Père. Amen. Amen. Monsieur le coordinateur, vous avez la parole. Monsieur le Président élu de la République démocratique du Congo, c'est un honneur pour nous, de la communauté congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes, et à mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue ici à Lyon. Je me permets à titre personnel de saisir de cette occasion pour rendre un hommage à votre engagement pour la lutte que vous menez dans une situation difficile pour l'instant en République démocratique du Congo. Nous tenons aussi à remercier votre épouse, Madame Esther Fayulu, qui vous accompagne dans toute cette lutte, car nous savons combien c'est important de bénéficier du soutien de la famille. Monsieur le Président, l'avenir d'un pays ne se construit pas par le mensonge, raison pour laquelle vous vous battez pour la vérité, pour que la vérité triomphe et que le peuple congolais, donc, parce que le peuple congolais a tout son espoir sur vous et que vous puissiez dans le lendemain, qu'ils puissent espérer dans le lendemain avoir un avenir meilleur. Monsieur le Président de la République, la ville de Lyon, qui vous accueille aujourd'hui par la clôture de la série de conférences que vous avez initiées, d'échanger avec le peuple congolais, symbole de la résistance symbole de la résistance de l'occupation allemande. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, à travers cette représentativité ici à Lyon, et ses environs, nous nous mettons derrière vous pour vous accompagner dans cette lutte noble. Monsieur le Président, pour terminer mon allocation, nous vous remercions encore une fois de plus pour votre disponibilité d'échanger avec la communauté congolaise résidente à travers l'Union européenne, malgré vos multiples occupations et les difficultés que traverse actuellement notre pays. Et surtout, en particulier à l'Est, il ne se passe pas un jour sans que nous apprenons qu'il y a des morts et des catastrophes, ainsi de suite. Et pour cela, nous avons déjà manifesté une pensée pieuse pour ces personnes et pour nos compatriotes qui sont tués et des innocents. C'est donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons aujourd'hui une bonne soirée ensemble avec nos compatriotes. Nous allons commencer par nous servir et puis après, on pourra commencer la série de questions-réponses. Mais je tiens aussi à remercier les amis qui sont venus de Paris, en particulier l'équipe de l'ECIDE qui sont à côté. Il y a aussi les amis qui sont venus de Toulon, qui sont assis de l'autre côté. Il y a des amis qui sont venus de Lille. Nous tenons à les remercier tous et tous ceux qui sont ici, qui viennent des environs de Lyon. Pour l'instant, j'aimerais passer la parole au président. Et merci d'être ici. Et comme il a été dit, donc je suis accompagné de mon épouse, vous l'avez vu,
Mais quand vous demandez qu'elle s'élève pour qu'elle vous... Merci beaucoup. On a dit qu'il y avait des membres de l'ECIDE, mais il y a aussi des membres d'autres partis qui composent la MUCA. Voilà. J'ai vu la représentante du MLC France qui est là. Je vous demande d'applaudir. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de discuter avec vous. Mais on a fait, c'est vrai, on a pensé à ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont morts au Congo. Mais il y a des gens, aujourd'hui, en plus de cette insécurité qui bat son plein à l'est du pays, des séries de décapitations qu'on est en train de voir à Beni et aux alentours, il y a un phénomène naturel qui est venu, les inondations. Les inondations emportent les gens et nos frères et sœurs meurent. C'est vrai, il y a ces inondations, mais il y a aussi l'homme qui est passé, qui n'a pas bien planifié, qui a détruit les écosystèmes. Aujourd'hui, on assiste à ces phénomènes. J'aimerais quand même, pour eux, pour tous ces gens, à Beni, ailleurs, ceux qui meurent d'Ebola, à Butembo, partout, les inondations, à l'Équateur, à Kinshasa, partout, j'aimerais que nous puissions nous lever de nouveau pour une minute de silence. Merci. Oui, Jean-Jacques l'a dit que on clôture la série des dîners débats ici en Europe. Aujourd'hui, c'est très particulier. Je n'aimerais pas beaucoup parler. Vous laissez la parole. Ceux qui ont des commentaires, ceux qui ont des questions qui n'ont pas été abordés, pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur ce qui se passe dans notre pays. On ne peut pas continuer dans ces pays, indépendants depuis 1960, continuer à avoir les mêmes problèmes. Je vais vous lire l'exposé des motifs. Voici ce qui est écrit dans notre Constitution, le paragraphe premier. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Fin des citations. Voilà, depuis 1960, et ça, cette constitution qui a été adoptée en février 2006, dans cette constitution, il était dit ceci, que les forces vives de la nation, réunies en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluraliste, démocratique, transparente et crédible. Voilà ce qui a été dit. Le pacte républicain signé à Sun City a produit cette constitution. Et on a commencé la série des élections. 2006, qu'est-ce qu'on constate?
surtout pour l'élection présidentielle. Jean-Pierre Bemba, élu président, non, on décide que c'est M. Kabila. On nous dit, oui, il faut continuer, et on va voir ce que ça va donner. Au moins, vous avez eu les élections, on commence la série. 2011, Étienne Tshisekedi élu président, et non, c'est Kabila qui est proclamé. Toujours la même chose. Et on nous dit, non, écoutez, messieurs, mesdames, Congolais, Congolaises, la démocratie n'est pas un processus instantané. C'est une école, il faut continuer. Et là, on a réclamé, on a tout fait. Et Étienne Tshisekedi a déclaré que c'était lui le président, il a prêté serment et cherchait la période. On a tout fait. Et pendant ce temps-là, nous marchions, nous contestions, on a tué. Rappelez-vous, juste un exemple, les charniers des Maloukou. On nous dit, oui, ce n'est pas un processus instantané, on va aller de l'avant. Nous allons de l'avant, on fait tout. 2018. 2018, le peuple nous dit, écoutez, si en 2011, ces gens-là ont pu tricher, c'est simplement parce que vous, au niveau de l'opposition, vous êtes allés en ordre dispersé. Comment voulez-vous aller dans cette élection présidentielle avec plusieurs candidats, notamment trois candidats, si réclamant de l'opposition? Et cette fois-ci, nous voulons que vous fassiez un corps, que vous puissiez mourir, faire mourir vos êtres, chacun de vous individuellement, pour renaître par un seul ou une seule, un seul homme ou une seule femme, les candidats communs. Les Congolais ont exigé les candidats communs. Si vous nous donnez un candidat commun, nous allons vous donner un président de la République qui aura la légitimité et qui va nous conduire avec le programme que vous allez nous présenter. Et voilà, c'est ce qui a été, c'est ce qui fut fait le 11 novembre 2018 à Genève. Nous avons eu ces candidats communs et nous sommes allés aux élections. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Un spécialiste électoral, un expert français a dit « Ce qui s'est passé au Congo, ça n'a jamais été vu nulle part en Afrique. » On pourrait même dire nulle part au monde. Le peuple choisit un homme tergiverse, il dit que non, lui n'a pas encore fini sa mission et il doit continuer. Et comme le monde entier ne veut pas de lui, il va trouver une méthode soft pour continuer. Parce que s'il vient brutalement, le peuple va réagir aussi brutalement. Et d'abord, le peuple a tout fait pour lui signifier qu'il ne pouvait pas se représenter. Pas de troisième mandat. Il a tergiversé, mais finalement, il s'est ravisé, il a fini par comprendre qu'il ne pouvait pas le faire. Il a trouvé, il s'est fait valoir, est venu, et il n'a pas pu. Et nous avons dit, écoutez, mais vous dites que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats, et le fait que la Cour a proclamé, c'est légal. Et certains d'entre nous étaient tentés aussi de dire que Tshisekedi, c'est vrai qu'il n'était pas un président légitime, mais il était légal parce que proclamé par la Cour constitutionnelle. Mais les juristes avérés nous ont dit non, il n'est même pas légal. Parce que pour qu'il soit légal, le résultat devait être publié conformément à la loi électorale. Et là, nous avons demandé finalement, ou pas finalement, nous avons demandé à la CENI de nous publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, nous allions confronter les résultats de la CENI avec le procès-verbaux que nous avions. Nous avions des procès-verbaux pour 14 millions d'électeurs. La CENCO, 13 millions, ils ont donné. Et donc, publions, publiez, comme ça nous allons comparer. Ils n'ont jamais publié, jusqu'aujourd'hui.
Et cette affaire, on ne peut pas la laisser comme ça. Vous êtes Congolais. On ne peut pas. On ne peut pas. La vérité, c'est la vérité. Comme Jean-Jacques a dit ici, on ne construit pas un pays avec un tissu de mensonges. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas dire que non, la vérité des jours ne s'est dépassée. S'est dépassée comment? Ça ne peut en aucun cas être dépassé. C'est pour cela que je vous ai fait ces rappels historiques. 2006, vous avez vu, on nous a dit non, allez-y. 2011, 2018. Et si nous allons comme ça jusqu'en 2023, qu'est-ce qu'il a fini sa stratégie et en train d'accomplir sa mission de balkaniser les combats? Parce que si vous ne savez pas, alors ceux qui dorment, parce que moi, je suis dans une coalition, une organisation qui s'appelle Lamuka. Lamuka veut dire en lingala et en swahili, pour nos amis français qui sont ici, ça veut dire réveille-toi, réveillez-vous. Chers amis, surtout chers frères et sœurs, il ne faut pas se lever. Le pays est en train de partir. Quand vous voyez nos frères et sœurs, nos enfants à Beni, en train de revendiquer, en train de marcher, en train de pleurer, nous ne pouvons pas rester comme si de rien ne s'est passé. On ne peut pas rester indifférent. Il est temps, l'heure est arrivée pour nous de libérer notre pays. L'heure n'est plus aux discussions inutiles. L'heure n'est plus aux distractions. Plusieurs distractions. Des sujets qui nous envoient ailleurs. Le vrai sujet est là. Le vrai sujet, c'est que M. Kabila est venu au Congo avec une mission bien précise. Cette mission, c'est de fragiliser les Congos et après le balkaniser. Nous devons être des hommes et des femmes de caractère. Nous devons être des hommes et des femmes avec une vision précise. Et nous devons savoir ce que nous voulons pour notre pays. Personne ne peut à notre place décider. Et c'est pour cela, l'article 5 de cette constitution dit clairement, très clairement, que la souveraineté appartient au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple congolais. Et si nous nous voulons céder notre souveraineté parce que nous sommes faibles de caractère, ça, je ne participerai pas à cette entreprise. Je n'aimerais pas que demain, mes enfants portent un nom qui aura de l'opprobre et qu'on va peut-être profaner nos tombes. Pendant qu'on est en train de traiter Ebola, des gens s'organisent pour que cette épidémie ne soit pas éradiquée. Et vous le savez, pourquoi on a empêché les élections à Beniville, Beni Territoire, à Butembo et à Yumbi, Yumbi, surtout les trois territoires-là. Pourquoi on a empêché? Pourquoi 1 250 000 électeurs. Pour la petite histoire, pour votre information, même les résultats fabriqués, crime qui n'était pas parfait. Même dans les résultats fabriqués, ils disent, Félix Tshisekedi a eu 686 000 voix de plus que moi. Mais il y a 1 300 000 électeurs qui n'ont pas voté. Et les gens continuent à croire, à nous faire croire que ce monsieur est président. Non! Je vais terminer par là, en disant que la proposition est sur la table. J'en ai parlé et peut-être on reviendra dans les discussions. Il est important aujourd'hui, il est plus qu'urgent de revenir à la vérité des choses. La première solution qu'on a proposée, comme je dis, la vérité des urnes se décline de trois manières. La première, prenez les procès-verbaux des résultats des élections et récomptez ça. Avec des témoins, on voit. Ça, ils n'ont pas voulu aujourd'hui. Nous laissons ça parce que certaines personnes vont perdre la face
et ce n'est pas l'intention. La deuxième solution, le deuxième moyen de la vérité des urnes, c'est de publier le résultat bureau de vote par bureau de vote. Maintenant, ces deux moyens ne sont pas rencontrés. Nous disons, écoutez, on dit que Fayulu est radical. Non, ok. Mais nous sommes flexibles. Nous sommes flexibles. La flexibilité ne veut pas dire qu'on se met de côté les principes. Nous sommes des hommes et des femmes de principes, en tout cas dans mon cas. Et là, nous disons, ok, comme le souverain primaire, c'est le peuple, répartons. Réconsultons ce peuple-là. C'est aussi la vérité des jeunes, non? N'est-ce pas? C'est la vérité des jeunes, comme ça, le peuple va se décider. Et c'est pour cela que nous disons, mais avant d'aller dans ces élections anticipées, faisons d'abord des réformes. Les Américains diraient thorough, c'est-à-dire des réformes de fond. De fond en comble, on fait des réformes au niveau de la loi électorale, au niveau de la commission électorale. Ce sera comment la commission électorale? Toujours comme c'est aujourd'hui? Que les kabylistes priment là-bas et que toute autre personne qui n'est pas kabyliste, qui entre là-bas, il est happé? Ou elle est happée? Donc, on fait des réformes au niveau, je dirais même pas la Cour constitutionnelle, mais du juge électoral. Qui sera le juge électoral demain? Il faut réfléchir. Il y a des gens qui peuvent nous aider. David Maraga du Kenya, le président, c'est lui qui était le président de la Cour suprême du Kenya. Vous savez ce qu'il avait décidé? Il avait dit que ces élections n'étaient pas conformes et il avait annulé, il avait demandé qu'on reprenne les élections. Est-ce que des éminentes personnalités comme Atauri Djega, qui était président de la commission électorale du Nigeria, INEC, cette personne qui a déclaré que le résultat devait être comme c'était, c'est-à-dire la personne qui n'était pas au pouvoir qui avait gagné. Ces gens ne peuvent pas venir nous aider. Donc des réformes au niveau des droits humains, des réformes au niveau de la police, des services de sécurité, de l'armée. On ne peut pas avoir des gens aujourd'hui comme on crie à Béni. À Béni, on nous dit tout le temps, il y a des infiltrés dans l'armée. Il y a des infiltrés. Est-ce qu'on va continuer avec des infiltrés? Vous changez le commandement, rien ne change. On tue même plus qu'avant. Donc il faut faire tous ces changements-là et pour que demain, on puisse aller aux élections et que les résultats soient conformes à la décision du peuple congolais. Je m'arrête là et vous aurez des questions et des suggestions, des commentaires pour qu'on aille de l'avant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, surtout je parle à mes chers compatriotes, soyons conséquents, soyons responsables. Personne n'est éternel, ça c'est vrai, mais personne non plus est esclave des autres. La Constitution ici nous donne tous des droits, nous avons tous des droits, mais nous avons tous des devoirs aussi. Nous avons tous des devoirs. On ne demande pas à tout le monde de faire la même chose, non. Vous êtes en France ici, tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde n'est pas politicien, tout le monde, mais chacun participe à la construction du pays à sa façon. Et cherchez cette façon pour que vous vous engagiez, pour que le Congo ne soit plus la risée du monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai oublié de présenter Monsieur Jean-François Ploquin. Vous pouvez vous lever, monsieur. Il est parmi... C'est lui le responsable du forum des réfugiés ici à Lyon. C'est un ami du Congo. Il a été déjà au Congo. Il comprend un peu les Swahili, les Lingala, donc
Messieurs, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que pour gagner du temps, on pourra commencer à manger et puis après, on passera à des questions, questions-réponses. Je demanderai au couple présidentiel de vouloir bien se servir. Je demanderai à Maman Eve, si elle est là, de pouvoir accompagner le président et son épouse pour lui dire. Excusez-moi.
qu'il y a, il y a du poulet. Pardon? Poulet. Tout le poulet, tout. Là-bas, tout le poulet, boché, le poulet. Oui, tout le poulet, oui. Poulet caramel, tout le poulet. Ça, c'est même tout le poulet. Va arriver